l'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. Cela requiert un engagement volontariste et votre présence massive est un signal positif, une prise de conscience partagée des leaders pour arriver à cette transformation. À l'échelle africaine, je salue le plan d'urgence de la Banque africaine de développement sur la sécurité alimentaire. Ce plan a permis de mobiliser 1,6 milliard de dollars sur quelques mois en faveur de 30 pays dont la moitié, les 15, ont déjà procédé au décaissement. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, très dépendante des aléas climatiques. Mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire.